Bonsoir à tous. En attendant d'avoir des nouvelles de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Pierre Bérégovoy, et à tout moment, s'il se passe quelque chose, bien entendu, nous donnons la parole au studio et à l'Élysée. C'est là que devrait être annoncée la composition du gouvernement. En attendant donc d'avoir des nouvelles des éléphants du PS, on va vous parler un petit peu de chimpanzés et de rats, et d'une manière générale de rapport entre les comportements animaux et les comportements humains. Nous le ferons notamment avec Franz Deval, qui est un grand observateur des chimpanzés et des bonhomos. Il nous racontera tout ça. Avec Henri Laborie, dont les rats et souris de laboratoire ont servi beaucoup à l'homme pour faire progresser le domaine de la recherche. Et il nous parlera de son itinéraire personnel, qui est assez passionnant, vous le verrez. Avec Théodore Monod, qui lui aussi a un itinéraire personnel hors norme. Il va fêter son 90e anniversaire la semaine prochaine. Et il passe pratiquement sa vie dans le désert, sauf de temps en temps. Il fait des petites escales à Paris et nous sommes très heureux de le recevoir. Avec Paul Guimard, qui vient d'écrire un très beau livre, un roman, presque une fable, sur un homme qui se change en pierre. Et ça s'appelle précisément L'âge de pierre, justement, on reste dans le sujet. Et puis avec notre invité étranger, Besnik Mustafash, qui est albanais, qui est un jeune romancier connu là-bas, qui commence à presque être aussi connu que Kadare, c'est dire, et qui vient d'être tout juste élu député dimanche dernier, qui nous parlera donc de cette Albanie qui change et qui vient de se débarrasser, comme ça, dimanche, d'un demi-siècle de stalinisme pur et dur. Alors on va tout de suite commencer par les singes. On va commencer donc avec Franz Deval, qui vient d'écrire chez Flammarion de la réconciliation chez les primates. En fait, pour dire la vérité, il vient de réécrire, puisque c'est un livre qui, ainsi que La politique du chimpanzé aux éditions du Rocher, c'est un livre qui nous en apprend beaucoup sur les comportements, évidemment, donc des primates, c'est-à-dire des grands singes, mais aussi parfois des petits singes, et quand on les regarde bien, des hommes tout court. Alors il faut dire que vous êtes passionné pour les singes depuis très très longtemps, depuis au moins 75, puisqu'à ce moment-là, vous êtes installé à Arnhem, c'est-à-dire dans votre pays d'origine, les Pays-Bas. Vous êtes installé au milieu d'une colonie de singes qui, disons, se reproduisait assez librement dans un zoo pas comme les autres. Oui, je vais commencer en Hollande, mais j'ai fait des études maintenant en Amérique, aux États-Unis. Et c'est surtout aux États-Unis aujourd'hui que vous travaillez. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a d'abord attiré vers les singes? Parce que c'est toujours une réflexion qu'on se fait. Attiré pour les hommes, je suis zoologue, alors mon premier intérêt c'est dans les bêtes eux-mêmes, mais c'est inévitable de comparer leur comportement avec le comportement humain parce que c'est très proche, surtout le comportement chimpanzé est très proche du comportement humain. Alors vous dites que ça se ressemble beaucoup, mais enfin, quand on regarde, et c'est tout le principe de votre essai, quand on regarde comment les primates, les singes, essaient de se réconcilier quand ils ont eu une petite bagarre qui, en général, ne dure pas très très longtemps, ben on découvre que ça ne se passe pas exactement comme ça chez les hommes, en tout cas pas, disons, au grand jour. Peut-être pas dans la politique internationale, souvent, mais dans la famille, quand même. Oui. Et alors, moi, je regarde le groupe face à face, le groupe où tous les individus se connaissent entre eux et vivent ensemble tout le temps. Alors, il y a beaucoup de réconciliation, mais ça dépend aussi d'espèces. Alors, ça dépend de l'espèce, justement. Il y a des espèces qui sont conciliatoires et des espèces qui sont très hiérarchiques et très despotiques, presque, oui, qui ne le font pas. Et puis, il y a façon et façon de se réconcilier. Oui. Chez les bonobos, c'est assez sexuel. Chez les chimpanzés, c'est plus tendre, hein, c'est des petits baisers sur la bouche. Oui, les chimpanzés, c'est plutôt un comportement humain, c'est très proche d'humain. Ils s'embrassent et des choses comme ça. Les bonobos, ils sont très explicitement sexuels dans leur comportement. Alors, je vais vous demander de commenter les images que vous nous avez apportées, parce que là, on a besoin de quelques... Il y a des choses qui passent évidentes, et puis il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir un minimum d'explications. Alors là, ça, c'est une situation mâle, une femelle. À San Diego, à Californie. Il y a deux mâles, l'America's Cup. Deux mâles bonobos. Il y a une mâle qui a chassé l'autre dans le fossé.
et l'autre essaie de sortir. Il sort maintenant et ils ont une réconciliation avec le frottement testiculaire. Oui, ah d'accord, c'est ce que je demandais, dos à dos, quoi, voilà. Hein. Et ça, c'est un mâle et une femelle qui ont une copulation, c'est juste pour montrer qu'ils font des copulations dans cette position-là. Oui. Regarde aussi que la femelle rapide, en général, continue à manger. Oui. Pardon, oui, c'est ça, oui. Ils sont très relax là-dedans. Ils mangent beaucoup en général. Oui. On va voir que tout à l'heure, ils continuent à manger aussi. Et ça, c'est deux femelles qui font un comportement qui s'appelle le frottement génito-génital ou genital rubbing, qui est typique pour l'espèce. Il y a des relations sexuelles entre les femelles très fortes. Et à chaque fois pour se réconcilier. Hein, s'il y a des situations tendues, ce sont deux mâles qui font presque la même chose, une pseudo-copulation. Oui. Voilà. C'est une espèce extrêmement sexuelle et ça a étonné beaucoup des scientifiques parce que le bonhomme n'était pas très connu. Ah, c'est vraiment deux mâles, hein, vous nous promettez. Oui, d'accord. Oui. Vous les connaissez mieux que moi. Hein. Ça, c'est l'embrassade entre deux alors jeunes... Alors ça, c'est les chimpanzés. Jeunes mâles, non? Non, les bonobos, toujours. Et ils utilisent leur langue. C'est ça qui leur fait différent de la plupart des espèces qui font des embrasses. Donc, tout ça sont de bonobo à San Diego. Oui. Ils font aussi de fellatio. Alors, je dois vous dire que nous avons coupé quelques séquences. Vous savez, avec, on a gardé celles qui se voyaient dans le plus loin possible, quoi, parce qu'il y a un minimum de la prurie française Enfin, il n'est encore que 10h30, hein, donc il ne faut peut-être pas tout montrer, mais c'est assez intéressant, parce qu'il y a à peu près toutes les gammes de la stimulation sexuelle. Oui. Et tout ceci vient en général après des bagarres qui sont... Dans cette espèce-là, oui. Cette espèce exceptionnelle qu'ils ont développé un comportement sexuel qui est non reproductif. Partiellement, bien sûr, pas complètement non reproductif. Mais c'est intéressant de perspective moralité humaine, parce que vous savez que l'Église trouve que certaines choses qu'on ne peut pas faire parce que c'est l'usage de sexualité non reproductive. Bon. Je vous interromps tout de suite parce que nous avons des informations du côté donc de l'Élysée, de peut-être quelque chose qui arrive. Bon, je n'ai pas d'informations, de toute façon je ne risque pas de lire ce qu'on m'écrit. C'est écrit tellement loin que je ne risque pas. On va continuer avec nos grands singes. Oui. Et notamment en vous montrant un extrait, j'imagine, d'un film que vous avez vu, du Peuple singe de Gérard Vienne. Vous savez, ce film qui avait été réalisé il y a 3 ans, qui est vraiment un film formidable, et qui nous montre là, non pas la réconciliation, mais la phase, disons, de bagarre. Hein. On va aller voir comment ils agitent beaucoup pour un petit peu... Ce sont des chimpanzés, oui. Oui, c'est ça. Comment ils inquiètent leur entourage. Pour assurer sa position sociale, le chimpanzé mâle adulte a souvent recours à des parades d'intimidation. La colère du mâle est souvent contagieuse. Mais à trop crier, on finit par s'étrangler. Je crois que c'est très intéressant. Et puis, on peut parler de 1000 singes comme les rhésus aussi, qui eux, ont un mode de réconciliation complètement différent. Ils dépouillent la fourrure de leur partenaire. Oui, et ils le font très peu. Hein. Ils sont très agressifs et très intolérants. Ils font très peu de réconciliation. Ça vous en a appris beaucoup sur le mode de comportement des êtres que nous sommes Ce que ça montre, c'est que chaque espèce de singe, il y a 200 espèces de primates. Nous, on a une, mais qui sont tous différents. Même des espèces qui sont très proches, ils sont très différents. Comme par exemple l'homme et le chimpanzé, ils sont très très proches, mais ils sont différents. Alors Henri Laborie, je vous ai vu, je crois que vous avez lu avec passion ce livre. Oui, bien sûr. Tout récemment, donc vous l'avez découvert. Est-ce que ça peut vous avoir, ça peut vous servir pour les travaux que vous avez menés sur l'inhibition, la fuite, l'agressivité entre êtres humains? Mais je pense que, je ne sais pas s'il sera d'accord, mais nous sommes assez proches l'un de l'autre dans le sens que je ne crois pas qu'il y ait de centre de l'agressivité dans le cerveau et que ce sont des rapports sociaux qui aient eu un apprentissage et une mémoire. Peut-être
N'insistez-vous pas suffisamment, peut-être, à mon goût, je ne tiens pas la vérité, sur l'importance de l'apprentissage et de la mémoire. Pour nous, il n'y a pas d'instinct de propriété, même d'une propriété sexuelle. C'est un apprentissage d'objets, d'êtres gratifiants. Alors, quand on les a découverts, quand on est rentré, quand le système nerveux est rentré en accord avec eux, et qu'on a trouvé que c'était agréable de les avoir à sa disposition, on va les défendre, on va essayer de retrouver la stratégie qui vous a permis de vous faire plaisir. Et je pense que quand, en lisant votre livre, d'ailleurs, vos singes, c'est fondamentalement ça. Quand ils se bagarrent, c'est pour un objet sexuel ou un objet alimentaire. C'est-à-dire quelque chose qu'ils ont appris à être nécessaire à leur plaisir, à leur équilibre biologique. Un livre très intéressant, donc, qui s'appelle... Ah oui, ça, vraiment, il faut le lire. De la réconciliation chez les primates, qui nous apprend que le pardon date de plusieurs millions d'années. Un livre où vous rendez hommage à tous les grands, Desmond Morris ou Conrad Lorenz. Desmond Morris, dans la préface à votre livre, explique bien qu'il y a eu plusieurs étapes dans le regard de l'homme sur le singe. Il y a eu l'étape un peu, disons, Hollywood, où on s'amusait du singe, c'était King Kong. Et puis après, il y a l'étape où on a commencé à lui apprendre, à parler. Il y a eu des travaux très, très intéressants. Le langage pratiquement des sourds-muets. Et puis aujourd'hui, donc, vraiment une étude sur la politique chez les chimpanzés, sur donc, la vie sociale des chimpanzés. Et je crois qu'il faut qu'on rende hommage également à Conrad Lorenz, dont on va voir ici quelques images. Lorenz, qui est donc l'auteur sur le comportement animal et humain, c'était paru chez Flammarion également, sur l'agression, une histoire naturelle du mal, c'était en 69, et puis qui a, en 73, et eu le prix Nobel. Bonsoir, nous rejoignons à l'Élysée pour ce flash spécial Jacques Collet et Hubert Védrine, le secrétaire général de l'Élysée. Fonction publique et réforme administrative, Monsieur Michel Delbarre. Le président de la République a nommé ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Michel Vauzelle. Intérieur et sécurité publique, Monsieur Paul Quillès. Défense, Monsieur Pierre Joxe.